Bonjour YouTube, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que vous partez pour le mieux. De mon côté, tout se passe à merveille. Aujourd'hui, vidéo annonce. Et oui, juste avant que la petite vidéo commence pour de vrai, je tenais juste à vous rappeler qu'un petit like, un petit commentaire ou de vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Je me suis donné comme objectif une cinquantaine d'abonnés d'ici la fin du mois d'avril, donc vous seriez vraiment génial d'atteindre ce petit défi. Sinon, et aujourd'hui, les nouveautés, deux choses. La première, eh bien, j'ai ouvert un serveur Discord que vous allez pouvoir rejoindre. Je mets... le lien en description, vous n'avez qu'à cliquer dessus celui-ci et vous allez pouvoir le rejoindre. Pourquoi, vous allez me demander? Eh bien, très simple. La deuxième nouvelle, c'est seulement que j'ai ouvert un Realms sur Java. Je suis en train d'hésiter à l'ouvrir aussi sur Bedrock. Je pense que ça ferait plaisir. On pourra tous jouer ensemble et pouvoir profiter du même monde survie. Donc, à noter que pour rejoindre le Realms, c'est 100% gratuit sans aucun problème. Vous n'avez qu'à mettre votre nom Mojang en description ou de rejoindre le Discord et on va pouvoir s'arranger pour être sur la liste et que vous puissiez rejoindre le Realms. Donc, j'espère vraiment qu'on va pouvoir faire un monde tous ensemble de survie et voir jusqu'à où est-ce qu'on peut se rendre. Je vais juste dire quelques petites règles. Évidemment, zéro grief, zéro int, zéro problème. C'est vraiment juste un serveur. Le fun, survie 100% vanilla. Je suis en train de travailler sur un shop. Donc, vous allez pouvoir vendre vos objets ainsi que les acheter. Mais pour l'instant, tout ceci est en construction. Donc, sans plus tarder, je vais juste vous faire le tour du petit spawn ainsi que vous dire quelques petites spécificités. Donc oui, la première fois que vous allez rejoindre le Realms, ça va être bien simple. Vous allez apparaître dans cette petite salle ici. Et derrière moi, vous allez avoir quelques petits panneaux qui vont vous expliquer comment jouer à celui-ci. Une fois ceci fait, eh bien, vous n'avez qu'à aller dans le fond. Et vous allez pouvoir vous mettre sur les pressure plates. Ceux-ci vont vous téléporter et vous donner ce que vous avez besoin. Et voilà, une fois que vous avez appuyé sur les pressure plates, vous allez apparaître dans le spawn. À savoir que le spawn va être protégé, donc impossible de briser les blocs. Ici, vous allez pouvoir sauter pour avoir votre kit de départ qui comprend une 5, 6, 7 objets qui vont vous permettre de bien commencer dans le monde. Une fois que vous allez avoir sauté du spawn ici, eh bien, il n'y a plus aucun moyen de revenir dans celui-ci. Par la suite, je vais rajouter un moyen d'aller dans le shop, mais pour l'instant, une fois traversé ces petits murs de stone brick, eh bien, vous allez être 100% en survie vanilla. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez dans le monde en autant que ce ne soit pas de grief les autres. Donc, j'espère vraiment que vous allez pouvoir rejoindre le serveur et y jouer. Vous pouvez me dire en commentaire si vous êtes plus sur Bedrock que sur Java. Comme ça, eh bien, je vais pouvoir faire un serveur sur Bedrock ainsi. Sinon, eh bien, c'est déjà tout pour la petite vidéo annonce pour aujourd'hui. C'est un petit serveur que je vais ouvrir. Je veux voir vos builds, je veux voir vos choses. Juste avant que la vidéo se termine, je tiens à remercier deux personnes. C'est une nouvelle chose que je vais faire maintenant. À chaque fin de vidéo, je vais remercier les gens qui me supportent puisque je suis extrêmement reconnaissant. Premièrement, je veux remercier encore une fois Zach. Ton pseudo s'affiche ainsi que Smoke Netso. J'affiche aussi ton nom à l'écran. Un grand merci à vous deux pour le support que vous m'avez donné dans les dernières vidéos. Sinon, eh bien, c'est déjà tout pour cette vidéo. Et oui, c'est une toute petite vidéo annonce que j'ouvre mon Realms. Donc moi, je vous dis une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée et à la prochaine!